67, 70 familles. 70. C'est comme ça toutes les semaines ? Ah oui. Ah, oui. Des paniers repas en pleine préparation dans ces locaux de Bordeaux. Tous les lundis, des bénévoles récupèrent ces denrées à la banque alimentaire. Aucun quartier n'est épargné. Depuis un an, cette association de Codéran aide 27 nouvelles familles. C'est 30% de plus qu'en 2020. On pense qu'à Codéran, il n'y a pas de gens en difficulté, en précarité, mais c'est loin d'être la réalité. Il y a quelques professions nouvelles, comme des intermittents du spectacle, des agents immobiliers, des personnes qui travaillent dans la restauration qui n'ont plus de travail. Voilà, des professions vraiment touchées actuellement par la crise sanitaire. Les profils ont évolué et le nombre de bénéficiaires a augmenté. Une hausse d'activité qui a poussé le président de la Banque alimentaire de Gironde à revoir ses méthodes. On a observé pendant cette pandémie un fort développement du nombre de personnes aidées, autour de 20%. Et ce qui nous a valu en fait des demandes qui étaient des demandes un peu différentes de ce qu'on avait l'habitude en fait de préparer comme aide alimentaire, avec beaucoup de produits secs. Selon l'étude de l'Institut CSA, plus d'une personne sur 10 déclare avoir eu recours aux banques alimentaires à cause du Covid. Au total, 20 000 personnes bénéficient de cette aide chaque semaine en Gironde.